Patriotes, voici une projection de la future union sacrée. L'union sacrée prédite par le président de la République. J'ai reçu ça en transféré sur WhatsApp. Regardez bien ce petit calcul simple. Les partis dont Bahati est autorité morale reconnue dans les statuts. AFDC a 41 députés. AAB 30 députés. AABC 23 députés. AAA 22 députés. Bah, c'est A là, c'est des alliances, hein. ADRP, 22 députés au total, 138 députés. Pour Bahati Lukwebo, seulement 138 députés. Alors, si on prend cash, plus la Mouka, ça donne 157 députés pour l'Union sacrée. Bon, ici, bientôt, la Cour constitutionnelle va remettre Bahati dans ses droits avec tous ses partis. Alors, ce qui fait que si Bahati Lukwebo est remis dans ses droits, alors il faudra prendre les 345 députés du FCC moins les 138 députés de Bahati Lukwebo, ce qui veut dire que le FCC va se retrouver à 207 députés. Bon, là, nous n'avons pas encore parlé de Basile Olongo, hein, qui a déjà quitté théoriquement le FCC, mais il a fêté même en présence de Kitenge Yesu. Bon, alors, si on prend l'Union sacrée plus Bahati, ça donne 295 députés à l'Union sacrée. Ou 295, si vous voulez. Bon, on pense ici convaincre Thomas Lokondo pour que le PALU, le parti lumumbiste, entre dans l'union. Comme ça, il peut devenir président de l'Assemblée nationale. Alors, l'Union sacrée congolaise, plus les 17 députés de PALU, parti lumumbiste, et alliés, si jamais ça marche, alors, ça donnera 312 députés à l'Union sacrée majoritaire. Conséquence. Alors, il faudra la nomination d'un informateur. Deux, il faudra former un nouveau gouvernement. Trois, il faudra un nouveau bureau de l'Assemblée nationale. 4. FCC et Koufi. 5. Le PPRD ferme ses portes. 6. Chasse à la sorcière. Bambongo, Yaleta et Zonga. Je vous rappelle que nous avons reçu ce calcul en transféré sur WhatsApp. Voilà, je continue. 7. Heureux les avocats. 8. Trop de travail au PGR. Les procureurs généraux de la République, PGR. 9. Kabila reste au pays toujours pour voir les avancées. 10. État de droit. Bon, il commente ici Fatimeton armé. Le peuple gagne toujours. Voilà, chers compatriotes.
Je pense que c'est ça que va donner le résultat des consultations. Voilà pour la future union sacrée.